Si vous vivez avec un chat à la maison, vous aurez remarqué la variété de comportements que votre ami adopte au quotidien sans en connaître vraiment la raison. Cela inclut par exemple le fait de se promener autour de vos jambes et d'entraver votre passage lorsque vous marchez ou même lorsque vous êtes immobile. Il existe de nombreuses explications à ce comportement chez les chats. Certains l'interprètent comme une façon sympathique de vous saluer à votre arrivée à la maison, d'autres comme une façon d'exiger qu'on les caresse. Mais votre chat veut-il vraiment vous transmettre cela? Nous le découvrirons dans cette vidéo de Planète Animal. Les chats se promènent-ils vraiment entre nos jambes? Lorsque les chats se collent à vos jambes, vous pouvez penser qu'ils vous caressent, car c'est l'une des façons dont nous, les humains, exprimons notre affection. Mais avons-nous raison? Ce que votre chat fait vraiment dans ces situations, c'est se frotter à vos jambes. Il commence généralement par se frotter à vos chevilles, avec le museau, puis le flanc, et enfin, il enroule sa queue autour de votre jambe. En outre, l'action peut être accompagnée d'un ronronnement ou d'un léger tremblement de la queue. L'importance de l'action réside dans le fait de se frotter et non de se promener. Et sûrement, parmi les nombreuses occasions où vous avez observé votre chat, vous avez remarqué qu'il a tendance à se frotter à des objets tels que son lit, son grattoir ou encore les coins des murs. Ainsi, il semble avoir le même comportement qu'il manifeste avec vous. Mais pourquoi fait-il cela exactement? Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour tout savoir sur les comportements des chats, recevoir des conseils vétérinaires et bien plus encore. Pourquoi votre chat se frotte-t-il à vos jambes? Lorsque votre chat se frotte contre quelque chose ou quelqu'un, il utilise tout son corps pour entrer en contact avec l'objet en question. En effet, en plus des glandes anales et génitales, les chats possèdent des glandes qui libèrent des phéromones autour de la bouche, du menton, de la plante des pieds, du dos et de la racine de la queue. Ainsi, lorsque ces glandes sont frottées, elles sécrètent des molécules qui, une fois adhérées à l'objet ou la personne, ajoutent l'odeur individuelle de votre chat. Bien que vous ne puissiez pas percevoir cette odeur, les chats utilisent des phéromones comme un message adressé à leurs semblables, car leur sens olfactif est beaucoup plus développé que le nôtre. Dans ce processus, l'organe de Jacobson ou encore organe voméronasal, qui est un minuscule canal situé entre le palais et les voies nasales, joue un rôle clé. Il est présent chez peu d'espèces d'animaux et possède des cellules spécialisées qui capturent les phéromones et les produits chimiques présents dans l'environnement. Cette information olfactive sera ensuite transmise au cerveau. Par conséquent, lorsqu'un chat se frotte contre vous, se promène autour de vos jambes ou vous caresse avec le museau lorsque vous le tenez, c'est sa façon à lui de vous marquer et de communiquer aux autres chats que vous appartenez à son groupe social, ou autrement dit, que vous lui appartenez. Vous voulez en savoir plus sur les comportements de votre chat? Ici et dans la boîte à description, nous vous laissons une vidéo dans laquelle nous parlons du langage corporel des chats, dont notamment ses comportements et signaux clés. À ne pas manquer! Le marquage, un indicateur de bien-être. Maintenant que vous savez que votre chat se promène autour de vos jambes pour indiquer que vous lui appartenez, voulez-vous savoir pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin de marquer son territoire? Nos compagnons félins ont besoin de tout contrôler pour se sentir à l'aise et protégé. Et c'est pourquoi ils marquent leur territoire de leur odeur, pour communiquer ainsi aux autres chats qu'ils ne doivent pas s'approcher. De la même manière, lorsque vous rentrez chez vous, la première chose que fait votre chat est de se frotter à vos jambes pour vous réimprégner de l'odeur qui lui est si familière. On observe également que dans les groupes sociaux de chats, les phéromones sont partagés entre tous les membres par des comportements tels que le toilettage mutuel ou encore le frottement du museau pour indiquer l'appartenance au groupe. Le marquage est donc une indication de bien-être car il montre que l'animal est en sécurité dans son environnement et avec ceux qui l'entourent. S'il se sentait dans un environnement hostile ou si le chat remarquait un changement dans la maison, il pourrait alors arrêter de marquer son territoire et commencer à montrer des comportements qui reflètent cette insécurité, en essayant de trouver un abri, en se toilettant à l'excès pour se calmer et même en arrêtant de manger. Le fait que votre chat se frotte à vos jambes n'est donc pas un signe d'affection ? Qu'un chat se promène autour de vos jambes ne signifie pas forcément qu'il veuille vous marquer en tant que sa propriété, au sens où nous l'entendons. C'est plutôt une indication claire qu'il vous aime, car pour votre ami félin, vous êtes celui qui subvient à ses besoins quotidiens et lui apporte une sécurité physique et émotionnelle. D'autre part, vous avez peut-être souvent associé ce comportement au fait que l'animal veut vous dire quelque chose, comme par exemple remplir son bol ou demander à être caressé.
Le chat a peut-être appris par une association de cause à effet que le fait de se frotter à vos jambes vous pousse à remplir son bol de nourriture ou à le caresser. C'est donc finalement devenu une habitude et une forme de communication entre vous deux. Vous savez maintenant pourquoi votre chat se promène autour de vos jambes et se frotte à elles. Il laisse son odeur sur vous parce qu'il se sent en sécurité, aimé et en sûreté à vos côtés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et laissez-nous vos commentaires pour nous faire part d'autres curiosités sur le comportement de votre chat. Ne manquez pas la vidéo ci-dessus où nous expliquons si vous manquez à votre chat lorsque vous vous séparez de lui. À la prochaine les experts !